Mesdames, Messieurs, chers amis, nous poursuivons ce soir le cycle consacré à l'intimité des grands personnages. Après Léon Blum et Winston Churchill l'an passé, Simone Veil le mois dernier, nous intéressons ce soir à la vie d'un autre homme politique. Il fut nommé tour à tour le tombeur des ministères, le tigre, le premier flic de France, le père la victoire. Il s'agit de Georges Clemenceau, personnage clé de la Grande Guerre. Cette conférence introduit également la série d'événements organisés dans le cadre de la célébration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Parmi les grands rendez-vous, une conférence consacrée aux réfugiés, intitulée « Émilienne 1917 », se tiendra au Musée français de la Carte à jouer le mardi 13 novembre à 18h30. Une représentation de la pièce « Foutue guerre » aura lieu à l'Auditorium le jeudi 15 novembre à 20h30, ainsi que de nombreuses autres manifestations, films, expositions. Toute la programmation est consultable sur nos brochures et sur le site de la ville. Revenons à Georges Clemenceau. Je ne vous raconterai pas sa vie. Vous avez devant vous une des meilleures expertes. Moi-même, je m'étais risqué avec mon éditeur à envisager les vies parallèles de Clemenceau et Churchill. Mon éditeur m'a dit « ça n'intéressera personne ». Et Madame Brodziak m'a dit « mais si, au contraire, donc je vais me remettre à travailler ». Mais le prochain livre de cet éditeur portera sur moi, autrement dit, je n'aurai pas besoin de me comparer. C'est un médecin vendéen qui monte à la capitale, qui a été député de Paris, qui est reconnu pour ses talents d'orateur, qui prend la tête des députés de la gauche intransigeante et radicale. Il contribue à provoquer la chute de Léon Gambetta, des gouvernements « opportunistes » entre guillemets de Jules Ferry. Il dénonce le candidat Boulanger, évincé de la politique par le scandale de Panama. C'est là qu'on retrouve, car vous allez apprendre des choses. Il n'y a pas eu que des zones claires. Panama, je ne sais pas ce qu'il a été à faire là-dedans. Il n'y était pas. Non, exactement. Vous défendrez. Mais même, je vais raconter. Voilà. Qui révéla que les souscriptions auprès du public français lancées par Ferdinand de Lesseps pour percer l'hymne de Panama avaient été en partie utilisé pour arroser la presse. Il fit un détour fracassant avec l'affaire Dreyfus, lors de laquelle il s'engage dans le camp de Émile Zola. Le 13 mars 1905, il accède pour la première fois à 65 ans à un poste ministériel. Il devient le tigre et après, président du Conseil, il confirme son sens du dialogue social lors des manifestations de vignerons languedociens. Il s'affirme comme un revanchard. Après, à la suite de la déclaration de guerre, son journal L'Homme Libre devient l'homme enchaîné et il est enfin appelé à la tête du gouvernement par son vieil ennemi, le président Raymond Poincaré. Passé la guerre, il est élu par acclamation à l'Académie française, on l'oublie souvent, et il reste à la tête du gouvernement jusqu'au 18 janvier 1920. Il est battu lors de l'élection présidentielle de 1920. Par qui ? Voilà. Cet échec sonna le glas de sa carrière politique. Il a publié à ce moment-là de nombreux livres, dont Claude Monet et les Nymphéas. Amis du peintre, ils s'étaient rencontrés dans les années 1860. C'est Clemenceau qui veilla d'ailleurs au transfert des Nymphéas à l'Orangerie. Il lança aussi la carrière de Rodin dans son journal La Justice. C'est une personnalité d'exception. Quel orateur ne fut jamais inspiré par les bons mots de Georges Clemenceau ? Il résumait ainsi sa vie. « La vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut très bien se passer, la présidence de la République et la prostate. » Mais nous souhaitons aller plus loin encore, et c'est pour cela que nous sommes heureux d'accueillir Sylvie Brodziak. Madame, vous êtes professeure des universités en littérature française francophone et histoire des idées, à l'université de Cergy-Pontoise. L'une de vos thèses est consacrée à ce grand personnage et est intitulée « Clemenceau, écrivain ». Vous avez depuis publié et dirigé de nombreux ouvrages sur ce dernier, notamment le dictionnaire Clemenceau chez Robert Laffont. Et sort en librairie aujourd'hui, jeudi 11 octobre, « Clemenceau, le courage de la République ». Et je pense qu'il y aura une dédicace tout à l'heure, n'oubliez pas,
c'est exceptionnel d'avoir, le jour même de la parution de ce gros ouvrage, l'auteur soi-même. Donc, vous pourrez vous entretenir avec elle. Avant de vous laisser la parole, il me reste à vous rappeler que le cycle des entretiens d'ici se poursuivra le 8 novembre prochain et sera consacré au peintre Auguste Renoir. Alors, méfiez-vous, parce que quand on vient vous parler d'un peintre, la dernière fois, on avait fait venir le directeur du musée Picasso. On était presque catastrophé, parce qu'il fait très timide, etc. Ça a été extraordinaire. Alors aujourd'hui, on le voit briller avec toutes les expositions Picasso. Lui était intimidé comme pas possible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il nous a fait une conférence extraordinaire sur Picasso, alors que ce n'est pas un grand critique d'art, etc., mais il a une humilité et une connaissance formidable. Monsieur Lebon. Voilà, très bien, Fabien. Eh bien, cette fois, ce sera Auguste Renoir. C'est pas mal, Auguste Renoir. Donc, affûtez vos agendas. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable et enrichissante soirée. Madame le professeur, à vous. Merci, monsieur le maire. Je suis ravie. Appuyez là. J'appuie sur un bouton. Montrez-le, voilà. Devant vous. Voilà. Oui, merci, monsieur le maire. Je suis ravie d'être effectivement chez vous. D'autant plus que, avec cette conférence, vous ouvrez à Issy-les-Moulineaux, vous ouvrez 3 mois, 4 mois, enfin jusqu'en novembre 2019. Vous ouvrez toute une série d'événements importants où l'on va parler de Clémenceau et Clémenceau va en être le centre. Cet ouvrage que je publie aujourd'hui, qui s'appelle Clémenceau, le courage de la République, est le catalogue livre d'art de la grande exposition qui ouvre dans quelques jours. Nous l'inaugurons de façon officielle le 29 octobre. Et à partir du 1er novembre, qui ouvre pour 3 mois au Panthéon, sur, effectivement, Georges Clémenceau. Et dans le titre que j'ai proposé, « Le courage de la République », je tenais à mettre en avant à la fois, bien évidemment, le rôle de Clémenceau dans la fabrication, dans la construction de la République, Troisième République, mais également République contemporaine, mais aussi dire qu'à un moment, pour ne pas éviter les questions qui fâchent, parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de faire une hagiographie lorsqu'on travaille sur quelqu'un, également de dire que parfois, il faut avoir le courage de la République, même si l'opinion publique n'est pas effectivement favorable, et si notamment le camp d'où l'on vient ne l'est pas. Donc voilà pourquoi il y a un double sens dans le titre de cette exposition. Alors, on m'a demandé de centrer autour de l'intimité, n'est-ce pas, de Georges Clémenceau. Donc, je me suis dit, je vais leur raconter des histoires. Je vais parler de ce roman familial, en quelque sorte, des Clémenceau. Mais pour être plus concrète, je vous ai préparé un PowerPoint. C'est-à-dire, je vous ai préparé des photos de Georges Clémenceau, des images que je vais commenter et qui vont venir comme ça illustrer mon propos. Voilà, donc, vous l'avez ? Non, vous n'avez pas ? Alors, c'est moi qui vais... c'est bon ? Je peux. Voilà. Voilà, donc effectivement, Georges Clémenceau, l'homme continent, donc vous avez sous les yeux le petit Clémenceau, vous le voyez, enfant, et puis une photo de Clémenceau en 1929, enfin exactement en 1922, lors de son voyage, l'un de ses derniers voyages aux États-Unis. Je voudrais dire aussi que Clémenceau a eu un regain, le personnage de Clémenceau a connu un regain d'intérêt à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire depuis à peu près une vingtaine d'années, on s'est intéressé beaucoup plus à Clémenceau, les historiens, les littéraires s'intéressent beaucoup plus à Clémenceau parce que
parce que le XXe siècle fut effectivement le grand siècle jaurésien, le grand siècle, je dirais, où les idées socialistes, n'est-ce pas, et les idées socialistes se sont épanouies et ont connu le destin que l'on connaît. Et donc, en fait, il y a un intérêt pour Georges Clemenceau qui on le redécouvre après la chute du mur, c'est-à-dire après 1989, dans les années 90. Et ceci me semble important de le signaler, parce qu'il faut toujours contextualiser à quel moment l'on parle et pourquoi ce personnage est à nouveau sur le devant de la scène et pourquoi des hommes politiques vont le mettre sur le devant de la scène, des hommes politiques qui d'ailleurs n'appartiennent pas forcément au même parti. Donc nous verrons peut-être pourquoi. Alors tout commence donc en Vendée. Tout commence à Vendée. Georges Clemenceau est le fils d'un médecin. Vous avez ici Benjamin Clemenceau et son père Benjamin est médecin et sa mère Emma Gautreau est une femme qui restera au foyer. Cette famille se caractérise tout d'abord dans la Vendée blanche, où le souvenir des guerres de Vendée est extrêmement prégnant. Elle se caractérise par un premier trait qui la distingue, à savoir, elle est profondément, depuis la Révolution française, elle est républicaine. Donc Clemenceau naît dans une famille de bleus, dans une Vendée blanche. Ce qui est important de signaler, c'est que cette idée de république, ce rêve de république, cette utopie qu'est la république, il la reçoit en héritage. En effet, Benjamin Clemenceau est non seulement petit-fils de, neveu d'un révolutionnaire, un médecin révolutionnaire qui a choisi effectivement le côté des révolutionnaires en Vendée, mais également il a participé, jeune homme, à la révolution de 1830. Ce jeune médecin arrive à Paris au moment de la bataille d'Hernani et là, il participe effectivement à la révolution de 1830. D'autre part, dans la formation de ce fils aîné, c'est son premier fils, il est aussi quelque chose qu'il ne va pas lui donner et que Emma Gautreau ne va pas non plus lui donner, à savoir la religion. Benjamin Clemenceau est un positiviste et il ne lui donne pas Dieu, il ne lui donne pas effectivement la religion. Il est athée, il va faire baptiser Georges pour faire vraiment, il ne va pas faire baptiser ses enfants et il se mariera lui-même, Emma Gautreau et Benjamin Clemenceau vont se marier devant un pasteur pour faire taire une partie de la famille. Donc, il ne reçoit pas la religion en héritage, il reçoit effectivement la République. Ça me semble important. D'autre part, il est élevé dans une famille de... ce n'est pas une famille très riche, c'est une famille de hobereaux. Ils ont un domaine depuis à peu près le XVIe siècle qui se transmet comme ça. Ce n'est pas une famille extrêmement riche. Et Georges Clemenceau, les premiers apprentissages, notamment les premières lectures, sont faites par quelqu'un, et c'est extrêmement traditionnel, les histoires sont racontées effectivement par Emma Gautreau, qui, à la différence des femmes qui l'entourent, ne placera pas ses enfants en nourrice. À l'époque, c'était relativement fréquent que ces femmes bourgeoises placent les enfants en nourrice. Elle les gardera, elle les élèvera et elle apprendra, dit Georges Clemenceau, ce qui est vérifié, elle apprendra même le latin pour l'enseigner à Georges. Ensuite, l'éducation est faite par le père. Le père, c'est une éducation avec des livres et à cheval, puisque non seulement Georges Clemenceau a accès à la bibliothèque de son père,
qui est essentiellement une bibliothèque positiviste, une bibliothèque où l'on trouve les socialistes utopiques, les premières les utopies socialistes, et une bibliothèque qui est centrée également, qui est corsetée par l'œuvre à la fois de Michelet et l'œuvre de Victor Hugo. Victor Hugo, que Georges va rencontrer, avec lequel il va mener ses premiers combats contre la peine de mort, notamment lors de l'amnistie en 1876, son premier combat, nous le verrons, et ensuite, pour la petite anecdote, mais ce n'est pas une véritable anecdote, lorsque, en 1902, Georges Clemenceau entrera au Sénat, il prendra le fauteuil de Victor Hugo. Donc, il est, effectivement, c'est le siège de Victor Hugo. Donc, une éducation profondément républicaine sous le sceau de la Révolution française. Michelet, c'est l'histoire de la Révolution française, bien évidemment, il est abreuvé de cela, et comme il aime à le raconter, les portraits qu'il y a dans la maison et dans la salle dans laquelle, le soir, quand il revient du lycée de Nantes, lycée impérial de Nantes, puisqu'il est au lycée impérial de Nantes, il discute longuement avec son père, les portraits qui sont affichés sont ceux des conventionnels. C'est pour ça, si vous venez au Panthéon, puisque Clemenceau n'est pas au Panthéon, mais il était nécessaire que les visiteurs quand même aillent dans la crypte, et donc j'ai fait un itinéraire des grands, pas ceux qui ont inspiré, mais des grandes rencontres au Panthéon de ceux qui sont, des personnages qui sont dans la crypte, et cela commence par effectivement le monument à la Convention, parce qu'il a été élevé dans l'esprit de la Convention. C'est important, nous le verrons, notamment sur sa conception de la guerre. Et monsieur le maire, il ne fut pas revanchard, et j'expliquerai pourquoi. Entre autres, sa conception de la guerre et sa conception du patriotisme. Continuons. Donc, il va devenir, qu'est-ce qu'il va devenir ? Il va devenir médecin. Voici sa maison natale, qui aujourd'hui, à Mouron, vient de réouvrir. Je ne sais pas si vous avez vu l'inauguration par le président de la République au mois de juin, n'est-ce pas ? Cette maison natale est devenue un très grand musée. Hein, c'est un lieu important. Voici, à l'époque, la maison natale, donc à Mouron en Paré, et il se destine, il n'a pas été très original, il avait à choisir entre tous ces hommes de la République, enfin tous ces républicains qui vont la construire, est-ce qu'il allait faire droit, est-ce qu'il allait faire médecine, il choisit médecine, et donc il monte, d'abord il commence ses études à Nantes, et ensuite il monte à Paris, finir ses études. Il sera donc médecin, comme son père, son grand-père. Et il est un médecin à Nantes, il est à l'hôpital de Nantes, et disons, il se distingue parce qu'il a un rapport relativement conflictuel avec les sœurs, qui sont les infirmières. Disons qu'il a un rapport avec elles relativement difficile. Il fait un petit peu les 400 coups. Et donc, au moment de poursuivre, on lui signifie qu'il serait quand même de bon ton qu'il s'en aille poursuivre à Paris. Et donc, le voilà qui débarque, qui arrive à l'embarcadère, n'est-ce pas, à Paris, et qui a, lui, la grande ville. Très intéressant, parce que lorsqu'il monte, lorsqu'il arrive à Paris, nous sommes en 61, Lorsqu'il arrive à Paris, il rentre dans un Paris qui est en chantier. C'est le Paris d'Haussmann. Donc, tout est en train d'être redimensionné, d'être retravaillé, avec un impératif qui est voulu par Napoléon III et qui est intéressant pour notre médecin, bien sûr un impératif qui est que Paris satisfasse aux conditions d'hygiène et un impératif hygiéniste. Et donc, lorsqu'il découvre cela, il, disons, étant non pas en accord avec Napoléon III, puisqu'il rentre immédiatement dans l'opposition clandestine républicaine,
à Napoléon III, mais disons que sa conception du Paris napoléonien, tel que nous le connaissons, n'est-ce pas, avec les parcs, les grandes allées, etc., eh bien, satisfait à sa conception de la médecine, qui est une conception hygiéniste. Le voilà Carabin, donc il habite rue de près de l'école, enfin, rue de l'école de médecine, dans un tout petit appartement. Ses parents, peu argentés, parce qu'il faut dire que Benjamin, et c'est Clémenceau qui le dit, il n'a pas beaucoup vu son père travailler véritablement. Il dit « je ne sais pas trop ce que faisait mon père », mais bon, voilà, il n'a pas énormément vu travailler. Mais ils avaient des quelques revenus sur les terres, mais quand même c'est un sacrifice d'envoyer ce garçon effectivement à Paris. Parce que Clémenceau n'est pas, contrairement à d'autres hommes de la République, sa carrière... contrairement à un Jaurès où vous avez eu une conférence sur Blum, Clémenceau se distingue parce qu'il n'est pas normalien. Clémenceau n'est pas normalien. Clémenceau est un scientifique et donc il n'entre pas dans ce monde parisien intellectuel par la même porte. Et ça me semble très important parce qu'il va devoir également entrer dans ce réseau de sociabilité. Réseau de sociabilité qui est à la fois artistique, mais littéraire, bien évidemment, puisqu'il va notamment écrire, mais également qui est politique. Quand il arrive, lui, accompagné de son père le présente aux républicains d'alors, essentiellement constitués d'anciens 48ards, de gens qui sont revenus d'exil, c'est-à-dire qui ont protesté au moment du coup d'État de 1851, de personnes donc, qui sont essentiellement, et qui sont tous dans la clandestinité, et également de futurs communards. Donc, il mène à la fois ses études de médecine, il hante les cafés, à Saint-Germain-des-Prés, c'est son quartier, mais quand il hante les cafés, c'est effectivement pour manifester et pour appartenir et pour agir. C'est un activiste. Il est activiste pour agir et éventuellement préparer, non pas des attentats, mais enfin une opposition réelle, qu'il manifeste essentiellement en faisant un premier apprentissage de journaliste. À savoir qu'il entre dans des feuilles éphémères, parce que très vite censurées, et il participe à la création, en 1862, de ce numéro d'une feuille, d'un travail, qui va lui permettre de participer de façon, par le biais de la presse, de façon médiatique à l'opposition, effectivement, à l'empereur. Ces feuilles étaient très éphémères, elles duraient un mois, deux mois, trois mois, ensuite elles étaient censurées, bien évidemment, et l'ont recommencé. Et le travail, vous voyez, dans cette feuille, il rencontre un jeune poète qui fait un très mauvais poème, il le rencontre, il le voit passer, ce jeune poète qui fait un très mauvais poème, c'est Émile Zola. Ils ont effectivement écrit tous les deux dans la même feuille. Donc, à la fois ses études de médecine, et puis une activité politique, et il a la très mauvaise idée de célébrer le coup d'État en 1861, le coup d'État du 2 décembre, c'est-à-dire il va apposer dans Paris, des grandes affiches pour dénoncer effectivement le Second Empire. Et à ce moment-là, il connaît sa première expérience de prison. Il est emprisonné. Celui qui l'a aidé, ce sont ses co-rédacteurs
de ce journal littéraire et scientifique qu'est Le Travail. Donc Germain Casse, le directeur, voit son journal fermé. Et lui, il est emprisonné et il connaît, et ça je pense que c'est très important dans la construction d'un homme politique, c'est bien sûr l'expérience de la prison, hein, dont les stigmates restent ad vitam aeternam, et également ça lui permettra d'avoir, il va retourner en prison une autre fois, ça lui permettra aussi de réfléchir tout particulièrement aux conditions de la prison. Et Badinter, dans son ouvrage sur la prison républicaine, rend hommage à Georges Clemenceau qui, en 1905, au moment de sa première présidence du Conseil, a tenu à ce qu'il n'y ait plus ces grandes cellules collectives et s'est intéressé au sort des prisonniers, parce qu'il disait, entre autres, il est nécessaire de ménager les conditions de travail, enfin les conditions, pas de travail, mais les conditions de détention des prisonniers, pour qu'elles ceci soient humaines, beaucoup plus humaines, parce que cela évitera la récidive. Et Badinter le souligne bien dans son histoire de la prison républicaine, il montre le rôle de Georges Clemenceau sur cet objet-là, qui effectivement est découvert lors de ce premier emprisonnement. Il sort de prison, il reste quelques mois, il sort assez rapidement de prison, mais surtout, il va visiter ses amis dans une autre prison, à Mazas, où est enfermé Blanqui. Et c'est là, par l'intermédiaire de ses amis qui, eux, ont été enfermés à Mazas, qu'il rencontre l'enfermé, hein, celui qu'on appelle l'enfermé, puisqu'il a passé sa vie à être enfermé, Auguste Blanqui. C'est un moment important. Non pas parce que Clemenceau va adhérer à la révolution d'Auguste Blanqui. Clemenceau ne sera pas un révolutionnaire, et d'ailleurs tout se décide véritablement à ce moment-là. Il ne suit pas Blanqui, mais c'est une rencontre très importante parce que elle le fait réfléchir sur le rôle de l'État, et elle le fait réfléchir sur également l'importance du suffrage universel qu'il s'agit de mettre en place. Et ceci me semble essentiel à dire. C'est là où Clemenceau décide de ne pas être révolutionnaire. À ce moment-là, tout commence à se forger, effectivement, avec cette rencontre. Blanqui admirait Clemenceau. Et nous avons une lettre, nous avons des lettres, notamment une lettre qu'il demande en 1880, il demande de faire la révolution. Il lui dit, il faut y aller, allez-y, prenez le pouvoir. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir Blanqui, ce révolutionnaire, appeler à la rescousse Clemenceau en lui disant, vous êtes le seul homme. C'est l'insurrection qui vient, vous êtes le seul homme. Allez-y. La chose, c'est que cette lettre, Clemenceau ne l'a jamais reçue. De toute façon, il n'aurait pas suivi ce que disait Blanqui. Il ne l'a jamais reçue et il l'a découvert bien beaucoup plus tard. Et il a été particulièrement ému, effectivement, de retrouver le jeune Clemenceau et de voir l'image qu'a eu Auguste Blanqui. Donc, le voilà qui fait son rôle d'opposant politique. Il est réenfermé une deuxième fois, parce qu'avec Scheurer Kestner, qui devient le grand ami à l'époque, n'est-ce pas, avec Scheurer, ils ont l'idée saugrenue de suivre ce que Blanqui leur avait demandé, à savoir de faire une imprimerie clandestine. Alors, ils font l'imprimerie clandestine. Scheurer
qui est, vous savez, fils d'industriel de Tann, hein, fils d'un grand industriel, met de l'argent, hein, met de l'argent, ils achètent tout, et puis ils sont trahis, et la police arrive, et Schürrer, pris de panique, prend la presse et la jette dans la Seine. Donc ils perdent considérablement de l'argent et ils sont à ce moment-là effectivement à nouveau ils vont faire avec Clemenceau un petit tour en prison. Mais c'est là alors l'amitié avec Schürrer est très très forte. Ils ne vont pas prendre le même chemin. Ils vont se retrouver au moment de l'affaire Dreyfus, vous le savez, où Schürrer, effectivement, va être convaincu beaucoup plus vite que Clemenceau, et il va retrouver son grand ami. Ceci dit, Schürrer est à l'origine, du moins, la fréquentation de Schürrer est à l'origine de son départ pour les États-Unis. Clemenceau se distingue aussi dans ce paysage des hommes politiques parce qu'il maîtrisait parfaitement la langue anglaise. Et vous voyez bien où je veux en venir. Lorsque vous avez à négocier une paix de Versailles, c'est quand même pas mal de parler, effectivement, sans interprète. C'est à considérer. Et donc, où a-t-il appris, effectivement, l'anglais ? Eh bien, tout simplement parce qu'il part aux États-Unis. Alors, il part, pourquoi part-il aux États-Unis ? On a mis longtemps à oser l'avouer. D'abord, est-ce que le voyage aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent ? Oui, depuis Tocqueville, depuis ce début du XIXe siècle, on s'en va découvrir le Nouveau Monde et on s'en va découvrir effectivement la démocratie américaine. Et, oui, ils le font, ils partent. Bon, pas tous, mais enfin, ce n'est pas un voyage qui est véritablement original pour une certaine catégorie de la population. Enfin, ce n'est pas vraiment original. Maurice Sand, par exemple, est parti aux États-Unis, le fils de George Sand. Maurice Sand est parti aux États-Unis. Enfin bon, on va voir. On prend Tocqueville en poche, c'est ce qu'il a fait. On a l'édition de Tocqueville, il prend de la démocratie en Amérique, le voilà parti. Mais en fait, il part pour une raison bien simple. C'est qu'il part suite à un chagrin amoureux. Il part par dépit. Alors, vous parlez d'intimité. Nous sommes au cœur, là. Et voici un élément intime. En effet, Schürrer avait une belle-sœur, Hortense Kessner, très... Clemenceau tombe amoureux d'Hortense. Il tombe amoureux d'Hortense, et, parce qu'il allait régulièrement chez Schürrer-Kessner. Vraiment, il faisait quasiment partie de la famille, hein, Clemenceau, chez son ami. Et puis, au moment de demander la main à M. Kessner, celui-ci va refuser Georges Clemenceau. Qui c'est Georges Clemenceau ? Est-ce que ce garçon est promu à un grand avenir ? Bon, il est médecin. Il vient de soutenir une thèse, je vais revenir là-dessus, entièrement fausse, mais là n'est pas la question. Kessner ne le sait pas, mais je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'il va faire, ce garçon ? Et surtout, et là, on a un préjugé de classe, évident. Kessner, c'est un industriel à Tann, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un grand industriel de l'époque. Qu'est-ce qu'il a ? Il n'a rien, lui, hein. Et je veux dire, il n'a rien, il n'a pas de terre, il n'a rien, il n'a que sa trousse de médecin. Voilà. Donc, il refuse. Et alors là, et c'est assez impressionnant, parce que alors là, j'ai édité la correspondance, vous avez la correspondance chez Robert Laffont, et dans la lettre, quand Kessner lui dit que non, il ne deviendra pas l'époux d'Hortense. Il y a une lettre où, alors je vais parler extrêmement de façon vulgaire et de façon moins académique, vous avez une lettre à Schürrer-Kessner où il souffre tellement, il est tellement en colère, qu'il se met vraiment en colère et qu'il pète les plombs, c'est le cas de le dire, dans cette lettre qui est dans la correspondance, et il lui dit, je te hais, Kessner.
je te hais, enfin ce n'est pas, il est dans une fureur, il est profondément blessé. Et voilà, et tout d'un coup, il s'en va et il part en Amérique. Il s'en va. Alors il s'en va après quoi ? Il s'en va donc. Il part, mais puisque Hortense ne me veut pas, puisque effectivement elle va se marier avec Floquet, par la suite, bon, etc. D'ailleurs avec lequel il va travailler ensuite à l'Assemblée. Mais bon, puisque, eh ben moi, il s'en va. Et il s'en va après avoir soutenu une thèse de médecine entièrement fausse. Je veux dire pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait qu'être fausse. Sous le Second Empire, vous avez des thèses qui sont des thèses des thèses à proscrire, qui sont entièrement fausses, qui sont des thèses de médecine, qui sont des thèses qui manifestent l'attachement, le désir d'installer la République, et qui sont des thèses d'opposition à Napoléon III. Sur quoi va-t-il travailler ? Il travaille, sa thèse s'appelle « De la génération des éléments anatomiques ». D'accord ? C'est-à-dire, il va se demander comment est créé le monde. Voilà, il prend des molécules et tout. Et il fait quelque chose qui est faux, parce que nous sommes... Il ne connaît pas encore véritablement les travaux, mais c'est le moment, effectivement, il a quand même toute une culture scientifique, et c'est les débuts des travaux sur la pasteurisation, etc. Donc on a quand même une autre vision. Et il fait de la génération des éléments anatomiques, et il dit tout simplement, il soutient que la création, eh bien, elle vient de la génération spontanée. C'est faux. Il y a quand même Darwin qui est basé par là. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Hein. C'est faux. Il le sait. Enfin, il rit en 1928 en disant qu'elle était entièrement fausse, etc. Pourquoi soutenir cela ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de Dieu. Si c'est la génération spontanée, vous mettez Dieu dehors. Puisque dans les autres, effectivement, thèses qui sont soutenues et qui ne sont pas ces thèses maudites, elles étaient épinglées, thèses maudites, eh bien là, de toute façon, il n'y a pas de discussion. C'est Dieu, effectivement, qui a créé le monde, et ce n'est pas comme cela. Alors, sa thèse est très courte, mais il manifeste son opposition. Il faut dire qu'il a été dirigé par un très grand professeur de médecine, positiviste, qui a travaillé avec Littré. Il est également, lui, il connaît les travaux de Littré, qui est dans la droite ligne Littré, enfin du moins d'Auguste Comte. Il est comtiste aussi, Clémenceau, et donc partant de là, Charles Robin lui fait soutenir cette thèse. Il a cette thèse, mais c'est une thèse qui, scientifiquement, bien sûr, ne tient pas la route. Mais il part avec celle-ci en poche. Le voilà parti, il va arriver à New York. Comme il a besoin d'argent, il va traduire une œuvre de Stuart Mill. Il passe en Angleterre on lui demande de traduire une œuvre de Stuart Mill, une œuvre de philosophe et positiviste également, et il débarque à New York. Là, il entre en immédiatement en relation avec l'intelligentsia américaine et le milieu journalistique. Il a besoin de travailler. À un moment, il se demande s'il va ouvrir un cabinet. Effectivement, un cabinet, mais ce n'est pas véritablement intéressé. Et donc, il s'en va donner des cours de français dans une institution de jeunes filles. Donc là, vous la voyez, de jeunes filles. Et il tombe amoureux de cette dame qui s'appelle Mary Plummer, et il va songer à l'épouser. Je dois dire aussi que pour gagner sa vie, il devient correspondant anonyme du Temps. Le journal Le Temps lui demande, et il envoie donc, nous avons 99 lettres au Temps que je vais éditer,
lettre, ça s'appellera Lettre d'Amérique, que je suis en train effectivement d'éditer. C'est 99 lettres où on a le jeune Clémenceau, le Clémenceau reporter, qui va se promener dans une Amérique qui est en pleine Amérique, c'est juste après la guerre de sécession. Donc c'est une Amérique en pleine reconstruction. Une Amérique qui est en train, il y a eu l'abolition de l'esclavage, et il va participer, il va suivre véritablement la mise en place du 13e amendement sur le droit de vote des anciens esclaves, droit de vote des Noirs. Et ce voyage aux États-Unis, et dont il rend compte par des articles, est là aussi essentiel. Dans sa lecture de la République et de la démocratie, également, il touche du doigt l'expérience qu'il ne connaissait que par la narration de Schœlcher, puisqu'il était ami avec Victor Schœlcher, on va les retrouver au moment de la Commune, tous les deux. Donc, il touche vraiment du doigt ce qu'est l'esclavage et se met en place là tout ce qui est les premières notions et les premières interrogations et puis affirmations sur les droits de l'homme et sur l'égalité. Sur l'égalité. Et il faut mettre en regard de ce voyage aux États-Unis qui a été très formateur. Bien évidemment, il revient complètement persuadé qu'il faut construire la démocratie et la République. Mais aussi, le fameux discours que vous connaissez tous, et vous l'aurez au Panthéon, avec un comédien et tout, enfin bon, c'est magnifique, ce magnifique discours, race inférieure, race supérieure, etc., vous savez, au moment de la colonisation contre Ferry, du 31 juillet 85, quand il dit race inférieure, race supérieure, etc., etc., il est évident que là, il faut remonter à ce voyage aux États-Unis, où là, il a une conscience aiguë, puisqu'il raconte, les exactions contre les anciens esclaves et il soutient ceux qui vont mettre en place par ces articles. Et puis il les suit dans les campagnes électorales, etc., ceux qui vont mettre en place le 13e amendement. Il revient marié, enfin non, il va se marier. Là aussi, ça ne marche pas trop fort, hein, il est plutôt inquiet parce que là aussi, ce Français, il n'inspire pas confiance. Alors là, il fait quelque chose de très bien. Vous voyez, dans cette institution, il y a une dame qui dirige l'institution. Eh bien, il va proposer à la dame qui dirige l'institution de faire un petit voyage touristique à Paris. Et donc, il va promener pendant l'été la directrice de l'institution, Stanford, et il va le promener, il va faire le guide touristique. Et alors, vraiment, il prend vraiment beaucoup soin de cette directrice qui revient et qui dit à Mary Plummer, je crois que vous pouvez épouser, il est charmant ce Français, il est vraiment charmant ce Français. Et donc, il épouse Mary Plummer, sur laquelle je reviendrai parce que c'est bien l'acte, il a fait vis-à-vis de cette dame un acte particulièrement horrible. Donc, le voilà de retour à Paris, le voilà, et là, ben, il arrive septembre 1870, il arrive 70, qu'est-ce qu'il va faire? Il est effectivement, c'est la fin, il vit la guerre, il est avec Gambetta enfermé, etc., et il est nommé ensuite, au moment de la mise en place de la République, il est d'abord nommé, puis ensuite élu maire de Montmartre. Et donc, son premier mandat, c'est effectivement maire de Montmartre. Et là, il est médecin. Et donc là, c'est le médecin des pauvres. C'est le bon docteur. Parce que Montmartre, à l'époque, vous le verrez, Montmartre à l'école, c'est le quartier ouvrier. Et c'est un quartier extrêmement, extrêmement pauvre. Il a son petit dispensaire rue des Trois Frères. Il a son petit dispensaire au fond d'une cour. Et voilà, et il exerce. Il exerce. Et alors là, on a des nouvelles écrites par Clémenceau, absolument extraordinaires. Il narre effectivement ce...
Il raconte ses consultations et il raconte la misère. Et c'est là que se met en place ce qui va être au cœur de l'action politique de Georges Clemenceau, à savoir la question sociale. La question sociale, ça va être son grand combat, la question sociale pour plus de justice et pour plus de liberté. Le voilà, donc je vais, il faut que j'aille un petit peu plus vite, excusez-moi, parce que là, le voilà, alors, arrive l'épisode de la Commune, je vais passer très rapidement, Clemenceau dans la Commune n'est pas du côté des communards, Clemenceau n'est pas du côté de Bordeaux, il est député à ce moment-là, il n'est pas du côté de l'Assemblée qui est à Bordeaux, il est dans la médiation et dans la négociation. Et donc le 18 mars, le fameux 18 mars 1971, vous savez, au moment où Thiers décide de faire reprendre les canons, il a négocié avec Thiers, enfin, il est contre, d'une part, il a été contre l'armistice à cause de l'amputation du territoire, bien évidemment, donc il n'est pas du tout d'accord avec Thiers, il n'a pas du tout suivi Thiers là-dessus, mais également, il essaie de persuader Thiers de ne pas reprendre les canons parce que il sait que le peuple parisien, et notamment Montmartre, il sait qu'ils ne vont pas lâcher les canons. Alors, le soir précédent, avec Schœlcher, on a des textes, et ils vont voir les gens de Montmartre, futurs communards, la veille du 18 mars, pour persuader de rendre effectivement ces canons afin d'éviter le bain de sang. Il n'y arrive pas et il est réveillé très tôt le matin du 18 mars et il court, alors il raconte tout ça en 1872, parce que dans ses écrits et puis devant un tribunal, il raconte comment il court pour éviter ce qui va arriver. Il le sait, c'est-à-dire il arrive juste au moment où l'on fusille les généraux, le comte et Thomas. Et alors là, ce moment-là, qu'il appelle en 1928 « tel est mon crime », c'est quelque chose qui explique, ça peut paraître, qui explique, notamment dans son œuvre littéraire, il est très admiratif de Zola, hein, de naturalisme, etc. Il a fait un seul roman très mauvais qui s'appelle Les Plus Forts. Et il est incapable de verbaliser et d'écrire la grande violence. C'est complètement formateur. C'est plus que formateur. Ce trauma de cette journée du 18 mars, il va, même dans son rapport, même en 1905, quand il va réprimer la grande violence, au moment, vous le savez bien, il devient en 1905 le tueur d'ouvriers, c'est l'humanité, hein, tueur d'ouvriers. Quand il fait envoyer la troupe, entre autres en 1907 à Draveil, qu'il cautionne cela, il faut dire, et en 1906 également, il faut dire que c'est une riposte parce que c'est extrêmement, extrêmement violent. Et donc ceci, son rapport à la violence, se cristallise effectivement ce jour, ce moment du 18 mars. Bon, je vais aller beaucoup plus vite, le voilà député de Paris. Le député de Paris, il va rompre avec Gambetta. Il trouve que ça va pas assez vite. Hein, voilà, il trouve que ça va pas assez vite. Quels sont ses grands combats 1876? Il commence en 1876, il n'arrivera qu'en 1881. Mais avec Victor Hugo, bien sûr, c'est son combat pour l'amnistie des communards. Elle doit être pleine et entière. Il n'arrive pas en 1876 à ce que l'amnistie soit pleine et entière. Ce ne sera beaucoup plus tardif, en 1880. C'est un de ses combats, et en tant que député de Paris, il ne trouve que ça ne va pas suffisamment vite. Ici, c'est le tableau de Manet qui sera, d'ailleurs, le tableau de Manet qui est au Panthéon, effectivement, qui sera au Panthéon. Et il trouve que ça ne va pas assez vite. Il trouve que les opportunistes qui
c'est vrai, notamment au moment de la révision de la Constitution, vont s'allier avec les monarchistes, oui, qui sont à l'Assemblée nationale. Voilà, ils trouvent que les opportunistes, ça ne va pas assez vite et ne tiennent pas les promesses du programme de Belleville de 1869. Et donc, il va faire son propre programme. Il devient député et là, entre autres, il va devenir, bien sûr, le tombeur de ministère. Quand il est député et qu'après quand il rompt avec Gambetta et les opportunistes, il se donne le moyen d'avoir sa propre tribune et son propre journal. Et c'est le grand journal de Clémenceau qu'il fonde en 1880, qui est La Justice, qu'il fonde effectivement, qui est un journal, le journal très très important. La Justice, et si vous voulez avoir les numéros de La Justice, vous allez sur Gallica, vous faites Gallica de la BNF, Gallica, vous avez tous les numéros de La Justice, et ils sont vraiment, c'est la tribune, et tous les grands textes, tous les grands combats, ils passent d'abord effectivement par la presse. Donc, il devient le tombeur des ministères, il s'oppose à la colonisation, 1885, alors il s'oppose à la colonisation pour trois choses. Et d'ailleurs, dans le fameux grand discours race supérieure, race inférieure, etc., où il fait tomber Ferry, entre autres, au moment du Tonkin, première chose, et ça c'est important, sur l'égalité des races. Clémenceau, comme reclus, qu'il connaît bien, à la fois le géographe, mais également le communard, n'est-ce pas, a une approche des races, une approche égalitaire. C'est-à-dire, comme il dit, race inférieure, l'allemand, bien évidemment, il donne l'allemand, après le chinois, etc., etc. Parce que Clémenceau, aussi, ce personnage est absolument étonnant, c'est qu'il a une curiosité et un rapport à l'étranger qui n'est pas qu'artistique. Il a une soif de dévorer le monde. Et donc, il a un rapport avec l'étranger qui est un rapport excessivement d'ouverture. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est cette histoire d'inégalité des races? Non. Deuxième chose, bien évidemment, il se projette. Il n'a pas digéré l'amputation du territoire. Et il connaît très bien ce qui se passe en Allemagne avec Bismarck. Il est très admiratif de Bismarck. Bismarck est en train tout simplement de faire, vous le savez, ce que nous appellerons plus tard l'État-providence, les assurances, etc. C'est l'Allemagne. Donc, il dit que déplacer et surtout envoyer des soldats et mettre de l'argent dans des guerres, notamment la guerre du Tonkin, etc., c'est inutile parce que le problème avec l'Allemagne, de toute façon, va se reposer. Il n'est pas revanchard. C'est quand même quelqu'un qui, notamment, je ne sais pas si vous l'avez... Non, vous savez quel est le livre dans la bibliothèque de Clémenceau, quel est le livre qui est la grande bibliothèque de Clémenceau, qui est rue Franklin, l'appartement, je vous invite à y aller. Visitez si vous ne connaissez pas. Vous savez quel est le livre où il a le plus grand nombre d'exemplaires? C'est le Faust de Goethe. Clémenceau est un très grand connaisseur de la culture allemande. Très grand connaisseur. Et il faut que vous sachiez, je l'avais écrit dans le 1, il faut que vous sachiez quand même que le Faust de Goethe, le Faust, est celui qui était dans la besace des soldats allemands pendant la guerre de 14. C'est le bouquin qui était dans la besace. Donc vous voyez, hein, donc, on ne peut pas dire que effectivement, non, il n'est pas revanchard. Il n'a jamais, et d'ailleurs il l'écrit, il faut absolument éviter la guerre, et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs au moment de la crise du Maroc en 1905, où, si l'on regarde sa présidence du Conseil en 1905, elle est, sur le plan de la politique extérieure, particulièrement pacifiste. Il va déminer tous les conflits, la crise marocaine, etc., qui seraient susceptibles de déclencher la guerre avec l'Allemagne. Donc, pourquoi la colonisation?
Contre cela, les droits de l'homme, certes, ne pas se dépouiller, ne pas dépenser, et puis aussi, et c'est pour cela qu'il va voter la loi des 3 ans, et puis aussi parce que il sent, il ne fait pas confiance, malgré son amour pour la culture allemande, il ne fait pas confiance à l'allemand. Hein? Il faut dire aussi que ce sont des hommes, Kessner et lui-même, qui ont été pétris par 1870. Et que quand il s'en va, juste après la guerre, avec Schoerer-Kester, à Tannes, à Belfort, sur les décombres, et quand il voit, effectivement, parce qu'on en parle peu, même pour cette commémoration, je trouve qu'on a peu parlé de cette commémoration de la guerre de 70, qui est quand même extrêmement importante, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas l'ignorer, et c'est prouvé, il y a eu effectivement des atrocités en 1870, faites par les Allemands. Et donc ce sont des hommes qui se sont construits aussi comme cela. Donc ils ne peuvent pas avoir confiance dans l'Allemagne. Donc il poursuit sa carrière. Voilà, vous avez ici les deux protagonistes. Hein, voilà, Ferry, le fameux discours race supérieure, race inférieure. Voilà. Première bêtise, première mauvaise fréquentation, même si c'est lui qui va d'ailleurs le retirer de la scène politique. Au départ, il commence en 1889, il est quelque peu fasciné par ce général Boulanger, qui effectivement au départ est un militaire novateur. Le général Boulanger, vous connaissez, et il est novateur au départ. Il va réformer l'armée, il va s'occuper des soldats. Voilà. Exactement. Il va s'occuper des soldats. Il peut enthousiasmer effectivement un certain nombre d'hommes politiques. Une nouvelle approche de l'armée. Il va dépoussiérer l'armée, etc., etc. Bon. Le problème, c'est que avec ses rotomontades, ce général Boulanger commence à faire des bêtises, et entre autres. Très vite, il s'aperçoit qu'il est complètement incontrôlable et que notamment, il n'a de cesse, entre autres, à des épisodes bien particuliers, l'affaire Schnabelé, etc., de provoquer l'Allemagne. Bon, et à ce moment-là, avec une grande partie des Républicains, il s'arrange, c'est-à-dire il sort et il lâche. Boulanger, et on sait la fin. Mais bon, ça fait partie, Boulanger, ça a été quand même une mauvaise fréquentation, je dirais, enfin, je l'appelle cela, une mauvaise fréquentation. Il s'en est sorti, mais une mauvaise fréquentation. Ensuite arrive donc cette histoire de scandale de Panama. Il faut dire qu'il n'a pas... Alors, il est complètement blanc dans le scandale de Panama, il n'a jamais participé au scandale de Panama. La seule chose, c'est que ses ennemis politiques... il se trouve qu'il a eu, au moment, il a eu des difficultés avec la justice, son journal, et que Cornelius Hertz lui a prêté de l'argent au moment où la justice, son journal, déclinait. Et donc, à ce moment-là, à l'Assemblée, il y a un épisode extrêmement important. Circulent ces opposants politiques, circule le bruit que Clémenceau serait soutenu et financé par l'Angleterre. Et alors, il y a une séance à l'Assemblée absolument extraordinaire. Chaque fois que Clémenceau prend la parole, et vous avez les opposants, les adversaires politiques qui crient. Oh yes, oh yes, oh yes. Bon, oh yes, oh yes. En référence avec l'Angleterre. Bon, c'est très vite. La justice démontre très vite qu'il n'y a pas, n'est-ce pas? Mais,
la campagne, et notamment vous avez ici le pacte du commandité, n'est-ce pas, le petit journal, la campagne de presse qui est menée contre Clémenceau, parce que c'est l'ère de la presse, voilà, fait que lorsqu'il se présente en 1893, enfin, là, il n'est pas réélu. Il n'est pas réélu député. Il était député du Var. Il n'est pas réélu député. Il a toute une histoire avec Toulon, il s'occupe de beaucoup de choses. Enfin, bon, c'est le Var qu'il avait choisi. Et il n'est pas réélu député. Il entame donc sa traversée du désert. Voilà. Alors, sa traversée du désert, comment va-t-il en sortir? Alors là, d'abord, sa traversée du désert, c'est véritablement, il se dit, bon, j'ai du temps. Bah, je vais m'adonner, à mon sens, à ce qu'il voulait faire. La seule chose, son grand rêve de Clémenceau, c'était il sait écrire, il est très bon dans la nouvelle cour, comme tout journaliste, etc. Mais son grand rêve était de devenir écrivain. Hein. C'était certainement pas la politique. Voilà, il le manifeste et il l'écrit jusqu'au bout, d'ailleurs, entre autres. Donc, il va se mettre, il participe au banquet des Goncourt, etc., etc. Il a un très, très beau discours sur l'importance de la langue française, la francophonie, justement, très, très, très important. Et voilà, il rentre dans ce cercle littéraire et il commence à écrire. Effectivement, il sort son premier ouvrage, que j'ai réédité il y a 3 ans maintenant, et qui est, je pense, si l'on veut comprendre Clémenceau et si l'on veut... l'importance de la question sociale, le droit de grève, etc., etc., etc. Tout cela, toute son action, c'est « Il faut lire la mêlée sociale ».« Il faut lire la mêlée sociale » de Georges Clémenceau. C'est là qu'on comprend tout son projet politique et tout ce qu'il a fait également. Donc, il sort en 1895 « La mêlée sociale », 1896, c'est le grand pan. Il va se mettre à faire une pièce chinoise, etc., etc. Il écrit, et il publie. Et il revient sur la scène au moment, effectivement, de l'affaire Dreyfus. Alors, entre-temps, il se bat en duel, parce que Clémenceau est un très grand duelliste, l'épée, le pistolet. Et puis c'était très intéressant parce que c'était bien, entre guillemets, le duel est interdit. Quand il le fait, le duel vient d'être interdit, donc il désobéit. Mais ce qui est intéressant, c'est que le duel était aussi une pratique pour résoudre les animosités politiques. C'était vite fait. Vous lanciez votre gant, après vous preniez vos témoins, vous alliez, et vous savez qu'à la moindre estafilade, voilà. Alors, ceci dit, il y avait des choses graves, hein, il y en a qui mourraient. Hein. Bon, mais dès l'instant où vous étiez un petit peu brûlé ou une estafilade, c'était terminé. Ça s'arrêtait. Bon. Et dans les journaux, notamment au Figaro, dans les grands journaux, vous aviez la salle d'escrime en bas, en sous-sol. Ah ben, ça permet de régler ce qui se passe. C'était vite fait. Non, je ne caricature pas, mais Clémenceau, ce sont des grands duels contre Déroulède et contre Drummond, bien évidemment, l'antisémite notoire que vous connaissez. Clémenceau a des grands duels prestigieux, et notamment contre Drummond. Au moment de l'affaire Dreyfus. Donc la mêlée sociale, et puis alors, le coup médiatique. Parce que Clémenceau aussi, c'est un très grand homme de médias. Arrive donc, nous sommes le 13 janvier 1898, arrive Émile Zola. Alors au départ, Clémenceau, ce capitaine juif, il est inconcevable, comme Jaurès d'ailleurs, mais Jaurès c'est une autre chose. Jaurès c'est le préjugé de classe, d'accord, Jaurès, envers Dreyfus. Jaurès c'est le préjugé de classe. Vous savez que le capitaine Dreyfus était fils de diamantaire, etc., etc. Donc vous avez le Parti Socialiste, pas encore la SFIO, c'est en 1905, mais enfin vous avez effectivement les socialistes,
et les radicaux et radico-socialistes, qui certains ne se sont pas immédiatement solidarisés autour de Bernard Lazare, entre autres, parce qu'il y avait le préjugé de classe. C'est quand même un bourgeois. Hein, c'était quand même un bourgeois. Bon, ce n'est pas la même raison pour Clémenceau. Clémenceau n'a pas été, comme Jaurès, un Dreyfusard de la veille. D'accord ? C'est-à-dire immédiatement, avec... une fois que Lazare a été convaincre Kessner, Kessner est rentré très vite dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que Clémenceau, c'est impossible, impossible que la justice et l'armée aient menti. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous avez les trois pouvoirs, il a une haute idée, mais vraiment, la justice, d'ailleurs, et c'est au cœur de son combat, la justice, c'est impossible qu'il y ait eu tout cela. Donc, il va falloir le convaincre. Et donc, Lazare, et surtout, Kessner l'appelle, on a l'entretien, et il dit, mais viens, il faut que tu autorises Lazare à écrire. Effectivement, et il faut que tu autorises Lazare, Bernard Lazare, il faut que tu le prennes dans ton journal. Il dit, je peux le prendre dans mon journal, mais pas, qu'est-ce qu'il va me raconter encore là ? Dis-lui, je veux bien le prendre dans mon journal, mais il ne faut pas qu'il parle. On ne sait pas. Et finalement, Scherer va, et Picard, la rencontre de Picard est déterminante, va effectivement convaincre Clémenceau qui va tout se déconstruire. Tout l'État se déconstruit à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est ? Comment l'armée, la justice fait ça ? Et donc, à ce moment-là, quand on lui apporte les preuves, et Lazare, Scherer, etc., c'est une injustice. Et donc, lorsqu'arrive Zola, ce soir-là, à l'aurore, il arrive avec la lettre, alors c'est pas du tout sexy, hein, le titre, hein, « Lettre au président de la République », etc., vous imaginez. Vous imaginez, donc ils sont là, autour, c'est la soirée, très bien, on va la publier, et Clémenceau remarque à la fin, j'accuse, et il dit, puisque à ce moment-là, il est à l'aurore, il dit, en titre, j'accuse. Et alors là, c'est une intuition médiatique extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est un journaliste. Et donc, effectivement, c'est le fameux J'accuse, et, bon, qui est un monument national, dans notre mémoire nationale. Voilà, hein. Donc, de l'art du titre, entre autres, de l'art, effectivement, du titre. Donc, vous connaissez, c'est un défenseur de la justice, vous avez ici les le voilà, ici, là. Là, vous avez Clémenceau, qui donc l'affiche d'un défenseur, il se bat. Vous avez les opposants, Dreyfus est un traître, vous connaissez l'affaire Dreyfus, bien évidemment. Il y participe, Dreyfus est innocent, on le voit là, Picard, et il va aux côtés de Zola, avec Zola, avec une femme, avec Séverine, l'importance de Séverine, également pour l'affaire Dreyfus, très très importante. Et voilà, et il va soutenir jusqu'au bout, et il va écrire 600 articles. Vous avez toute l'affaire Dreyfus, effectivement, édité chez Stock, l'iniquité, etc. 600 articles, tous les jours, il écrit. Il démonte, il écrit et il démonte. C'est remarquable. Là, remarquable comme on suit toute l'affaire Dreyfus et tous les jours il écrit sur l'affaire Dreyfus jusqu'au bout. Alors, il n'est pas... Clémenceau est très entier, hein, il ne soutiendra pas, enfin il ne soutiendra pas. Il dira, quand on va lui parler, on va lui dire, il faut maintenant demander la grâce, il faut demander la grâce au président de la République, il le fera, il rechignera à le faire, il va le soutenir, parce que bon, Dreyfus n'en peut plus, hein, enfin, je veux dire, c'est terrible.
sur le côté humanitaire, il soutient, il dit bon, puisqu'il faut, mais ce qu'il voulait, c'était véritablement que la justice innocente réellement refaire un procès et qu'il soit innocenté. Bon, il obtient la grâce et il sera important. Bon, il n'est pas encore l'affaire Dreyfus se passe, mais il fait des piges dans plusieurs journaux, l'Aurore, etc., etc. Il écrit dans énormément de journaux, hein, voilà, La Dépêche du Midi, il y a un, avec Jaurès, donc La Dépêche du Midi, hein, donc ils écrivent en même temps. 1892 également, il soutient Jaurès dans sa lutte à Carmaux, hein, et Jaurès lui demande d'intervenir. Il lui dit, il faut que vous reveniez à Carmaux. Quand la situation empire. Je dis ça parce que ça déconstruit beaucoup de choses. Effectivement, Jaurès va être le grand adversaire de sa présidence du Conseil en 1906. Effectivement, ils vont s'affronter, bien évidemment. Et Clémenceau n'est pas du tout socialiste. Il écrit pourquoi. Il écrit pourquoi dans la mêlée sociale. Il dit « je ne suis pas socialiste » dans ses écrits. Et il n'a pas confiance dans le socialisme. Dans le socialisme, parce qu'il voit, alors il dit, le socialisme n'est sans doute qu'une phase, je lis Clémenceau. Le socialisme, d'ailleurs, n'est sans doute qu'une des phases de l'humanité. Il a commencé comme ceci. Le socialisme, c'est la bonté sociale en action. C'est l'intervention de tous au profit de la victime de la vitalité meurtrière de quelques-uns. Prétendre avec les économistes, qu'on doit s'opposer à l'effort d'altruisme social, c'est méconnaître l'homme, le calomnier gravement, etc. Donc, il trouve que c'est une parfaite idée. Le problème, et il continue dans le texte, c'est que, comme c'est dans un... Il refuse la structure du parti qui aliène, ou l'idéologie aliène l'individu, et on fait faire à l'individu des choses qu'il ne veut pas faire au nom d'une ligne. Jamais Clémenceau n'a appartenu à un parti. Jamais. Il n'a pas été au parti radical. Quand le parti radical est fondé, effectivement, en 1902, il n'a pas été au parti radical. Il a été avec les radicaux. Il a incarné l'extrême gauche. Il était à l'extrême gauche. Il a été avec les radicaux socialistes sur les bancs de l'Assemblée, mais il n'a jamais appartenu à un parti. D'autre part, ce qui le gêne dans le socialisme, c'est qu'il dit clairement, l'homme, je le cite, « l'homme n'est pas tout entier dans la faim, dans l'égoïste besoin de vivre pour vivre, puisqu'il veut ajouter la satisfaction d'être le sentiment de la plénitude de l'être, le bonheur d'être au profit d'autrui. Quel vaste champ de vie morale s'ouvre à ses aspirations, à ses rêves, à ses espoirs, à ses efforts. » Autrement dit, oui, il faut donner de quoi vivre à l'homme, mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la culture, etc., etc. Un homme n'est pas construit uniquement dès l'instant où l'on satisfait ses besoins économiques. Voilà. Bon, donc, c'est une grande réflexion qu'il a. Et il annonce dans ses écrits, il l'explique, et il annonce ce que l'on va connaître après, beaucoup plus tard, il annonce. Il pose comme question les difficultés de ce que peut aboutir notamment le communisme. Bon, ceci dit, vous avez ici, il n'est toujours pas, il fait des piges, et à un moment, entreprise complètement folle, il fait un journal à lui tout seul. Voilà, il fait un journal à lui tout seul. Alors voilà, tout. Il fait tout. Le bloc. Voilà, jusqu'en 1903. Alors, tous les numéros, il est critique d'art, parce qu'il a commencé comme critique d'art, ses premiers écrits journalistiques, il est critique d'art, il fait la politique, il fait tous les relations internationales, il fait le journal tout seul, ce qui est quand même impressionnant, entre autres. 1902, le voilà dans sa campagne électorale, vous le voyez, sur un âne, il est élu sénateur du Var, parce qu'il a un rapport très, très fort avec, effectivement, le Var, et arrive donc première présidence du Conseil, on vous l'a dit, tardivement. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé, il a fait, bon, d'abord, première chose, il faut quand même le dire,
grâce effectivement à Viviani, il demande à Viviani de faire le premier ministère du Travail. C'est lui, le ministère, c'est sous la présidence du Travail, que, et, enfin, du Conseil, Clémenceau. Le travail est au cœur, effectivement. Donc, ensuite, vous les connaissez, vous les verrez, vous connaissez bien sûr, il arrive et il se rend compte que, alors la police n'est pas organisée comme cela, il va fonder ces fameuses brigades du Tibre. Vous voyez le monsieur qui est à ses côtés, c'est quelqu'un de très important, parce qu'au lieu de demander à la hiérarchie de la police, il prend la personne qui lui semble le mieux. Et c'est Aignan, Célestin Aignan, qui va fonder, en fait, quand il arrive la police, les voleurs sont en voiture et les policiers sont à vélo. Ça pose un problème. Ah oui, c'est impressionnant. On est au début. Enfin, vous avez les chauffeurs de la Loire. Enfin bon, vous avez. C'est comme les Apaches. C'était pas triste. Hein. Des peurs dans les campagnes. Enfin, vous verrez tout cela. Et donc, il dit à Aignan, mais faites quelque chose. Faites quelque chose. Et si vous regardez le sigle. C'est Clémenceau, l'emblème de la police judiciaire. C'est Clémenceau. Ben, encore aujourd'hui, hein, entre autres. Donc, il met en place les brigades du Tibre, parce que quand même, il faut un petit peu rééquilibrer. Et puis, il arrive, en tant que ministre de l'Intérieur, puis ensuite en tant que président de Conseil, au moment de la grande catastrophe du 10 mars 1906 de Courrières, dans les mines. Il connaît les mineurs. Il a déjà... 1880, c'est son premier contact avec le monde ouvrier réellement. Il est allé faire une enquête à Anzin en tant que parlementaire, en commission d'enquête parlementaire. Et là, en tant que ministre de l'Intérieur, il monte effectivement, il prend le train, il arrive à Courrières. Voilà, ministre de l'Intérieur, oui, ben, comme notre ministre aujourd'hui, voilà, et oui, il va cumuler après, lui, président du Conseil et ministre de l'Intérieur, mais c'est vrai, ça a déjà été fait. Et donc, il est, ben oui, il suit Clémenceau, et donc, il arrive à Courrières, et là, il a deux syndicats face de lui. Il a Bally, la CGT, mais la CGT, le syndicat, du côté des mineurs, on appelle ça le syndicat bourgeois, c'est-à-dire celui qui sera député, etc., Bally, plus tard, et tout, socialiste, là, et il a Brouchou, qui est le syndicaliste, la tendance de la CGT, et la CGT, ce n'est pas la CGT que l'on connaît, d'abord, elle est toute récente, 1895, hein, donc elle est jeune, hein, c'est une jeune CGT, et c'est une CGT où l'anarcho-syndicalisme est au cœur, n'est-ce pas? Ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas le syndicat que l'on connaît, enfin que l'on connaîtra après, hein, 1906, etc. C'est véritablement, c'est une CGT, c'est l'anarcho-syndicalisme, et donc c'est une des moyens d'action, enfin oui. Relativement violent. Il rencontre Brouchou. Il promet, il dit, il ne promet pas. Il dit à Brouchou, je ne ferai pas intervenir. Alors nous avons les textes, etc. Je ne ferai pas intervenir la troupe tant que la vie des mineurs, des gens, ne seront pas en danger. Bien. Il revient, il reprend le train. Il y a des exactions, à savoir, dans la presse, c'est terrible, il y a des maisons de mineurs qui sont saccagées, c'est excessivement violent. Donc, le préfet envoie la troupe, et là, alors ça aussi, c'est la conception de l'État de Georges Clémenceau, dès l'instant où j'ai un mandat, je suis éminemment responsable, avoir un mandat, c'est être responsable, donc j'endosse toutes les responsabilités, je vais ensuite virer le préfet, peut-être après,
n'en est pas la question. Mais de toute façon, j'ai le mandat, je suis responsable. J'ai été élue. Alors là, il a une vision du suffrage universel, mais sacro-sainte vision, c'est vraiment ça, le respect du suffrage universel. J'ai été élue, on m'a mandaté. Donc, effectivement, toute bêtise, j'assume. Effectivement. Et donc là, la question, bien sûr, bien évidemment, tueur, entre guillemets, effectivement. Et c'est là, alors je le dis d'autant plus qu'il y a un bouquin qui va sortir dans quelques mois, c'est là que Clémenceau perd la gauche. C'est là. C'est un moment de son mandat que Clémenceau, effectivement, qui incarne l'extrême gauche et qui incarne la gauche jusqu'en 1906, lors de ce premier mandat, c'est là. Ensuite, 1906, alors c'est des grèves, vous ne pouvez pas vous imaginer en 1906-1907, ça va de la poste, il y en a partout, hein, des grèves, c'est vraiment extrêmement, le climat social, il y a des grèves partout qui durent, etc. Et là, entre autres, Draveil, alors là, gestion calamiteuse de Clémenceau, c'est que, effectivement, parce qu'il part du principe que le chaos essentiellement fragilise ceux de la mêlée sociale, les pauvres, qui ne peuvent pas se préserver du chaos, comme il dit, les riches, enfin les riches entre guillemets, ou ceux qui sont toujours capables de se préserver, mais pas, c'est ce que pense Clémenceau, hein, à savoir, il est pour la grève, etc., etc., et tout ça, il a soutenu, et bon, bien évidemment, il a milité, ok, mais il part du principe que dès l'instant où dans l'État, il y a le chaos, ceux qui sont fragilisés, c'est effectivement ceux qui sont les plus humbles. Et donc, partant de là, gestion calamiteuse, et il fait quelque chose qui est, inimaginable, même à l'époque. Je dis même à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est, bien sûr, c'est inimaginable, mais même à l'époque, il fait arrêter à Draveil les syndicalistes, les dirigeants de la CGT. Pendant quelques jours, il les fait, effectivement, il les met en prison. Et alors là, c'est l'erreur, ça, c'est l'erreur historique. Alors, bien sûr, on lui demande de dissoudre la CGT, il refuse, parce qu'il y a ça aussi. Je veux dire, bon, il refuse de dissoudre, parce que les autres, il faut aller jusqu'au bout, il est hors de question pour le droit de grève, les syndicats, il s'est battu, et ce genre de choses, il y a hors de question le droit d'insurrection et tout. Bien évidemment, il s'est battu pour cela. Mais là, c'est véritablement... Donc, il y a cet épisode où il devient tueur d'ouvriers. Et la deuxième chose, alors là, moi, je n'ai pas d'explication parce que je ne sais toujours pas ce qui s'est passé dans la... Je sais ce qui s'est passé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Clémenceau. Donc, je n'en sais rien. C'est bien sûr la révolte des vignerons du Midi. Nous sommes en 1907. Et alors là, donc vous savez très bien, les vignerons, etc., etc., et Marcelin Albert est délégué par les vignerons pour demander au président du conseil, notamment, de relever les tarifs, de relever les tarifs. Et arrive Marcelin Albert, et il reçoit Marcelin Albert, je ne sais pas si je l'ai... Voilà, les voilà. Vous voyez cet épisode-là, c'est une là. Donc le voilà qui reçoit Marcelin Albert, donc, qui est délégué par Béziers, par Narbonne, etc., c'est un maire, et il reçoit Marcelin Albert, et il discute avec lui et tout cela, et il lui dit, bon, on va remonter le prix, vous pouvez redescendre et tout, sauf que l'entretien dure longtemps, est-ce que Clémenceau le fait durer, je n'en sais rien, peut-être, et Marcelin Albert lui dit, je viens de rater mon train. Alors Clémenceau lui dit, oh ben pas de problème. Il dit, mais je viens de rater mon train et j'ai pas de sous pour acheter un billet. Ben Clémenceau lui dit, bah tenez. Et il lui donne cet argent. Il lui donne le billet de train.
Ben, il faut attendre. Il faut attendre. Pour. Donc, il s'en va au café, Marcelin Albert. Il est assailli par la presse. Et il raconte que c'est le président du conseil qui lui a donné les sous pour prendre son billet de train. Inutile de vous dire. Inutile de vous dire, il arrive à Narbonne, le mouvement s'arrête. Il est considéré comme le traître. Dissension au sein. Et effectivement, tout va s'effilocher, etc. Et la révolte, voilà. Alors, la grande interrogation qui demeure, c'est, alors là, vous avez différentes appréciations, c'est est-ce que Clémenceau, effectivement, savait ce qu'il faisait en laissant ce Marcelin Albert. Et qui a été, bon, lui, voilà, il considérait, il l'avait trahi, dans le sud, il a trahi, et voilà, et partant de là, certains vont se solidariser avec Marcelin Albert, d'autres, et tout le mouvement se divise. Bon, Draveil, je vous en avais déjà parlé. La guerre, bien évidemment. Poincaré se résout, il a essayé de l'éviter, etc. Clémenceau, lorsqu'il arrive en novembre, si l'on lit de Barès à tout le monde, attend effectivement Clémenceau. Barès est ravi d'avoir Clémenceau, il est ravi. Voilà, il arrive comme quelque chose qu'il refuse, parce que comme il dit quand il attaque la Constitution en 75, il est contre la présidence de la République. Comme il dit, c'est aussi inutile que la prostate. Parce que ce dont a peur, mais parce qu'il a lutté et qu'il vient des États-Unis, c'est bien sûr le pouvoir personnel. Les césarismes et tout ça, pas pour Clémenceau. Donc, ça, c'est pas possible, le césarisme, un pouvoir personnel, mettre en place un pouvoir personnel, et il considère que le président de la République, effectivement, c'est un danger tel qu'il est fait, parce que ça peut revenir à un pouvoir personnel. Bon, donc, ici, il est appelé, et il y a deux choses. D'abord, il est appelé à la fin de la guerre. Ça va vraiment, vraiment mal. Il y a eu Nivelle, il y a eu tout ce que vous voulez. Vraiment, ça va mal. C'est très long, vous le savez. C'est très, très long. Personne n'en peut plus. Donc, comme il dit, la guerre, rien que la guerre, il faut la finir au plus vite. Donc, partant de là, il demande à quelqu'un de très important qu'on a mis au jour au moment de ce fin, qu'on met à jour partout, dans tous les écrits, etc., à Mordac. Il dit, la guerre n'est pas effectivement à mettre dans les mains des militaires, des techniciens. La guerre se fera, c'est politiquement qu'il faut la finir. Les généraux, ce ne sont pas les politiques. Et donc, c'est le pouvoir civil qui doit mener la guerre. Bon, effectivement. Et donc, il choisit. Il dit, je vais mener la guerre, mais je vais prendre comme auxiliaire et je vais m'appuyer sur Mordac, qui va mettre en place avec lui. Alors, il change tout. Quand il arrive au ministère de la guerre, premièrement, on va mettre en place le téléphone. Ah bah oui. Alors, et donc, il met le téléphone au ministère. Et puis, dans sa maison, parce que c'est là qu'il installe à rue Franklin le téléphone pour être immédiatement joignable. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est ça? Il arrive, c'est un peu une pétaudière, le ministère. Alors, il met en place la règle des 3 jours. Toute décision doit être prise sous 3 jours. Donc c'est une loi, c'est une règle, il édicte la règle des 3 jours qui était dictée, c'est-à-dire on ne laisse pas, au bout de 3 jours, tout problème doit être effectivement pas résolu, mais on doit prendre une décision. Donc dans tous les services, donc il change. Alors
Il construit, alors si vous lisez le dernier numéro de l'Histoire, j'ai écrit un article là-dessus, c'est comment il organise pour la finir, cette guerre, entre autres. Deuxièmement, il comprend l'importance d'aller sur le terrain pour soutenir les soldats. D'une part, parce qu'il a sa famille qui est sur le front. Il est extrêmement... Il y a une très belle lettre en octobre 1914 où il écrit à son frère et où il lui dit... Et il a toute la culpabilité d'être trop vieux. C'est une lettre d'amour à son frère, parce que Clemenceau est particulièrement tendre. Ça, on ne le montre pas, mais on n'avait pas besoin. Dans l'histoire, dans notre histoire, on a eu besoin que du père, jusqu'à maintenant, que du père de la victoire. On a eu besoin. Dans notre histoire nationale, on prend les personnages et puis on en a besoin à un moment donné. Donc, et il dit à son frère, c'est moi qui aurais dû être là. Et bien sûr, fais attention, etc., etc. Et il a cette proximité avec les poilus qui n'est pas... Alors, moi quand on me dit, parce que quand il va au front, vous savez bien qu'il va au front, hein, c'est-à-dire il est protégé, mais pas plus que, et peut-être un peu moins d'ailleurs. Donc ça pose des problèmes pour tous les aides de camp, etc., qui trouvent qu'il va vraiment en danger. Mais quand on me dit oui, c'était facile, non, c'était pas facile. D'abord, parce que je vous rappelle que c'est un monsieur qui est pourri de diabète. Il est malade, Clemenceau. Il a une multiplicité de maladies, il est asthmatique, il est pourri de diabète, il a un eczéma terrible, etc., etc. Il y a toute une hygiène de vie qu'il est obligé de faire. Il se couche à 8 heures et il se réveille au milieu de la nuit. C'est-à-dire que Clemenceau travaille la nuit, il travaille à partir de 3h, 4h du matin. Donc il y a tout cela, mais également il va voir ses poilus parce qu'il sait aussi l'importance du moral. On ne peut pas désespérer comme ça parce qu'on est dans cette situation-là, et donc il va là-dessus. Et ensuite commencent les tractations. Est-ce que Clemenceau aurait pu faire une paix blanche? Non, parce que si c'est ce qui circule beaucoup, alors là ça a été bien clair, établi par les historiens. Jean-Jacques Becker est très clair là-dessus. Non, il n'y avait pas de possibilité de paix blanche parce que Clemenceau, dans la menée de la guerre, entre autres, il va faire quelque chose de très important sur le plan. Il va aboutir, et ça c'est une victoire. On n'a pas suffisamment célébré, c'est un moment important. C'est au moment, en mars 1918, au moment du commandement unique. Il fallait faire céder aux Anglais et aux Américains que ce soit Foch qui, effectivement, parce qu'un seul commandement pour pouvoir avoir une attitude cohérente. Bon, il arrive à négocier le commandement unique, et ensuite, il y a les tractations qui commencent. Mais Clemenceau, et ça, la paix blanche, il veut finir la guerre au plus vite, mais et dans les meilleures conditions, et notamment, il y a cette histoire de territoire, d'amputation du territoire, et ça, il ne cédera pas. Donc c'est comme il dit, vouloir ou mourir, n'est-ce pas, il a écrit ce genre de choses, et là, il ne cédera pas. Donc, ça se négocie, et j'étais avec mes collègues historiens qui ont fait spécialistes de la guerre, et c'est assez impressionnant, parce que au moment de l'armistice, donc le 11 novembre, là, au moment de l'armistice, les négociations ont... il est surpris. Et Mordac aussi est surpris parce qu'il voit arriver ceux qui vont négocier l'armistice, donc les Allemands qui vont négocier l'armistice, et il les fait rentrer. C'est Robert Franck qui nous racontait ça. Il les fait rentrer et il se tait. Les Allemands commencent à parler. Mordac est là. Qu'est-ce que vous voulez? Etc. Il se tait. Et Clemenceau ne pose aucune question.
C'est-à-dire, il ne va pas dire, alors on va la faire, cet armistice. Il ne pose aucune question, il attend. Il attend et il attend. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr que cela puisse aboutir. Et au final, Mordac dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Et à ce moment-là, en face, les Allemands disent, les officiers allemands disent, mais on est venu pour, parce que ce serait pour signer l'armistice. Alors à ce moment-là, tout se déclenche, bien évidemment. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il la faut, et c'est du moins c'est ce qui est exigé. Alors tout cela, bien sûr, peut être critiqué, etc. Mais dans les meilleures conditions, puisque on avait eu une paix tellement, tellement mauvaise, notamment en 1870. Et donc, il était hors de question d'avoir une paix, enfin, du moins, d'avoir à nouveau 1870. Ensuite, vous le savez, ensuite commencent effectivement les traités. Non, ça c'est Clémenceau au front. Ça, c'est un moment que vous verrez animé, parce qu'on a le film et on a la voix. Alors, c'est très grand mouvement, très grand moment, mais dans quelques jours, hein, donc c'est le 11 novembre. Alors ça va être... à l'Assemblée nationale, c'est refait, ça. C'est refait en numérique, à l'Assemblée nationale. Ils vont refaire ce moment-là, où il annonce, très ému, très, très, très ému, vous savez, il finit par soldat de l'idéal, etc. La dernière partie du discours, c'est pour les soldats. Même chose au Sénat, même discours. C'est un moment, il y avait un très bel article de Courtois, Gérard Courtois, dans Le Monde, c'est au mois de juillet, les pleurs du tigre. Oui, effectivement, là, on le sait, les gens l'ont vu, etc. Là, quand il annonce ça, effectivement, il y a une très grande émotion. Bon, arrive donc sur l'esthète, bon, bien sûr, Monet, Rodin, il a toute une vie artistique très importante, bien sûr. Et sur les traités de paix, bon, ben, vous allez beaucoup voir, beaucoup d'état des recherches, puisque bon, c'est l'année, n'est-ce pas, où il y a des découvertes, etc., comment on fait les traités de paix. Il est évident... Alors je vous invite au colloque de 23 et 24 novembre 2019 qui est ouvert à tout le monde, à la salle Clémenceau, au Sénat, c'est sur inscription, vous vous inscrivez et puis vous venez, je vous invite puisqu'on va parler de ces traités de paix et on va même faire à la fin, parce que le clan clémenciste n'est pas du tout un clan je veux dire, entre guillemets, il n'y a pas de tabou, nous faisons des ouvrages, il n'y a pas de tabou, et notamment on va finir par un duel entre historiens, entre Briand et Clémenceau. On finit la dernière journée là-dessus, parce que ça pose la question, vous savez très bien que c'est le grand débat entre la paix de Briand et Clémenceau, et on affrontera la question, mes collègues affronteront la question. Qu'est-ce qui se passe en 1900 ? Je veux dire, il n'est pas battu aux élections avec Deschanel. Il ne se présente pas. Non, il n'est pas battu. Parce que, vous savez qu'on élit, on élit le président de la République à ce moment-là, mais en interne, et on lui annonce que... Alors, il est porté par l'opinion publique, aucun problème, hein, porté par l'opinion publique. Il est porté par une partie de l'Assemblée, mais l'autre, bien le Parlement, mais ne le soutient pas. Et donc, il y a un conseil de famille avant et un conseil avec notamment ses proches, les proches politiques, avec Mandel, entre autres, enfin ceux qui l'entourent, et il décide de se retirer, il se retire. Et c'est Deschanel, effectivement, qui est élu. Ce petit Deschanel, je me permets de dire ce petit Deschanel, pourquoi ? Pas du tout, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a un merveilleux duel avec Deschanel qui se passe dans les années 1880. Il est tout jeune, Deschanel, il est avec son épée, il a très très peur.
Et il y a une très belle lettre à Madame Donnet où, effectivement, il raconte, et alors, on comprend qu'il ait peur, hein, et donc Clémenceau, alors vous savez, c'est une grande ligne, hein, et donc Clémenceau, il court après Deschanel, et Deschanel, il a peur, alors, il n'ose pas, et c'est pour ça que je dis, ce cher Deschanel, qu'il retrouve, effectivement, et qui va le faire tomber en 1920. Donc, c'est pour ça, Paul, ce petit Paul Deschanel. Voilà. Donc, ensuite, comment il finit sa vie? Il finit sa vie, ben, comme il finit sa vie au moment de les œuvres d'art. Il écrit énormément, il écrit une somme philosophique, sociologique, toutes les disciplines y sont qui s'appellent « Au soir de la pensée ». Et il cultive notamment son grand ami, qui est le seul, à mon sens, Monet, Claude Monet, est le seul. Alors, il y aura quelque chose le 19 janvier, février, il y a quelque chose chez Monet, enfin, à l'Orangerie. On fait toute une soirée, j'interviens, j'ai fait intervenir d'autres personnes. Hein. Oui, mais ça, c'est... Alors, si vous voulez le rencontrer, vous allez pouvoir le rencontrer partout. Hein. Depuis tout à l'heure, pour vous dire, je me dis, mais on a dépassé un petit peu le temps bon, imparti, mais je n'ose même pas vous couper. Et quand je regarde l'assistance, vous regardez avec attention, je me dis, mais oui, je vais finir, moins de questions. Donc, je vais finir. Donc, effectivement, l'art, toute sa vie là, le rôle de la culture, on construit un individu avec une culture. Hein. Il a été pour les musées du soir, il voulait faire les musées du soir. Il a fait remonter l'Olympia de... Manet, il a sorti des caves parce que effectivement, il a mis à l'air libre au Louvre, etc., etc. C'est ça. Hein. Il a défendu le Balzac de Rodin. C'est lui qui s'est battu pour le Balzac de Rodin, etc. Bon, l'art, c'est fondamental. Ça construit l'individu et les voyages. Et alors, malade, vraiment malade, parce que après Deschanel, 21-22, le voilà qui s'en va se promener. Alors, il voulait aller voir l'Égypte, il est allé en Égypte, vous l'avez vu sur les ponts de bateau, vous le voyez, voilà. Et voilà. Le voici coupeur de tête en Amérique du Sud, il fait semblant de couper la tête, voilà. Effectivement, il fait semblant de le Brésil, Argentine, voilà. Et dernière sortie politique. Parce qu'il ne regrette pas la vie politique, hein. Ça s'arrête. Vraiment, ça, il ne regrette absolument pas. Et dernière sortie, dernier voyage politique où il est reçu comme un chef d'État, véritablement, c'est lorsqu'il voit, par un article qui est fait par la nièce de... Par un article qui est la nièce de Kipling et par un article de Kipling, qui il lit cet article... qui demande aux États-Unis, enfin qui conforte les États-Unis dans leur position isolationniste. Clémenceau va aux États-Unis, à Boston, et fait tout un tour, Clémenceau tour, en demandant aux États-Unis de ne pas s'enfermer dans l'isolationnisme. C'est pas ne nous abandonnez pas, c'est attention, attention. Les liens avec l'Europe, surtout ne prenez pas, ce qui va être pris d'ailleurs, voilà. Mais restez avec nous, et vous voyez comment il est accueilli comme un chef d'État, et il va pour cela aux États-Unis. Et il finit, bel et bas, face à la mer, sa maison, il écrit, vous le voyez ici écrire, face effectivement à sa fenêtre, et voilà, ça c'est lui-même qui vous le dit. C'est pas moi, la phrase n'est pas moi. Vous avez vu, voilà la conclusion de tout ce que vous écrirez sur moi et donc de tout ce que vous direz. Enfin, un trou et puis beaucoup de bruit pour rien. Hein. Voilà, c'est lui qui vous le dit. Voilà. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé avec passion. Vous nous avez transmis toutes ces informations et puis des petites choses, on a dit, dans l'intimité des grands. C'est notre voilà. Fil conducteur et vous nous avez vraiment accompagnés dans sur ce sujet. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques questions, mais on va faire peut-être plus court que d'habitude. En tout cas, pour ma part, je retiens une chose et notamment par rapport à ce que vous disiez
dans les dernières années, être un homme d'action n'est pas une question d'âge. Ah non, enfin, du moins, non. Même si il sait ses limites, hein, bon, il sait de ses limites parce qu'il est malade, hein, il est vraiment malade. Hein. C'est lui notamment qui a expérimenté, il souffrait d'un eczéma, donc c'est pour ça, vous voyez, quand vous le voyez toujours avec ses gants. Vous voyez ses gants, hein, il est toujours... Et alors là, il donne eczéma. Il a fait de la gymnastique avec le duc jusqu'à 15 jours avant sa mort. Tous les matins, son professeur de gymnastique venait rue Franklin sur le tapis de la salle à manger. Ça a été un grand. Il a fait du équitation, beaucoup d'équitation. Il allait au bois, etc. Mais il s'est conservé. Enfin, il a essayé de se conserver parce que il savait aussi qu'il fallait tenir pour pouvoir agir. Est-ce qu'il y a peut-être une question? Oui, je voudrais bien poser la question suivante. Vous avez éludé totalement les conséquences du traité de Versailles ensuite. Et est-ce que Clemenceau ne serait pas responsable de la Seconde Guerre mondiale? Alors voilà. Alors je vous dis, c'est la question traditionnelle. Donc je m'attendais donc, à cette question. Donc je ne suis que traditionnel. Je veux dire, voilà. Alors ça c'est la grande question. Et c'est, je pense, ça appartient aussi au mythe. Je vais vous donner quelques données historiques. Il est évident, d'abord, ce traité, d'abord, première chose, vous diront mieux que moi mes collègues historiens, une paix, ça ne se fait pas tout seul. Clemenceau n'a pas été tout seul. Il y avait l'Angleterre, Keynes, qui a été fondamental. Il n'était pas forcément d'accord. Celui avec lequel il a peut-être eu le plus de proximité, mais qui était le plus éloigné, c'est Wilson. D'accord ? Ça, je ne sais pas s'il était... Il a écrit l'autre jour dans le film de Frédéric Mitterrand sur Trump. Oui. Miller était dans le débat et il a dit que le seul livre comment il s'appelle, le psychanalyste, j'ai oublié le nom, je suis fatigué. De Freud, oui. Le seul oui. livre de Freud dont on ne parle jamais, c'est un livre qu'il a consacré à Wilson, où il explique qu'il est complètement fêlé. Et donc, il préfigure Trump. L'idée, c'est que tous les présidents des États-Unis sont fêlés. Sont fêlés. Bon. Voilà. Là, je ne vais pas me... C'est pour répondre à monsieur. Voilà. Non. Donc, il y a cela, effectivement. Si vous lisez Mantou, qui est quand même un des grands analystes, et Durosel également, et Durosel, et Georges-Henri Soutou, qui est le grand spécialiste aujourd'hui, et qui a fait l'article dans le dictionnaire Clemenceau, où il parle de cette question sur les traités, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Clemenceau n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait. Eh ben oui, ça c'est... Je veux dire... Démantèlement de l'Empire, l'économie complètement ravagée avec 34 ou 50 milliards de dommages et intérêts. Enfin, l'Allemagne, il l'a humiliée. Alors, et Hitler s'est assis sur ce terreau d'humiliation pour créer son parti. Non, c'est beaucoup plus que non. La guerre. Je rappelle. Non. On va pas. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais cette question, je pense qu'il est faux de dire. Et je vous invite. Alors, je vous invite. Par contre, je vous invite à lire ce qu'écrivent les historiens aujourd'hui, et notamment l'article de Lagnol dans le numéro de l'Histoire, et qui n'est pas, je veux dire, le dernier numéro de l'Histoire s'attaque au traité de paix, et l'article de Lagnol, Vincent Lagnol, qui est à la Sorbonne, et qui apprend cela comme tant d'autres, on ne peut pas dire... d'abord, les traités de paix, ça s'arrête avec le plan Dobbs, bien plus tardivement, hein, entre autres les aménagements, mais on ne peut pas dire que Clemenceau soit
responsable, parce que c'est lui mettre sur des épaules, c'est Becker, vous le direz autant, c'est quand même mettre sur un seul, alors qu'on est dans le cadre de négociations, entre autres, c'est mettre sur un seul individu, ça c'est véritablement peu probable. Ensuite, dans le colloque que nous allons faire, que nos collègues hongrois, bien évidemment, vous pensez bien que s'il y a bien des terres où Clemenceau n'est pas, bien sûr, mais il n'y a pas de tabou, mais dire que c'est Clemenceau qui serait responsable, il faut regarder, et Macmillan le fait, il faut regarder le rôle de l'Angleterre là-dedans, entre autres, hein, qui serait responsable de l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose que, sur laquelle nous travaillons, enfin, sur laquelle nous demandons. Je vous conclurai simplement en vous disant, il a été le père du peuple, mais il a été aussi le tigre. Je clôt. Oui, mais vous savez pourquoi le tigre ? Dans ces négociations. Vous savez d'où vient le nom ? Ah non, pardon ? Vous savez d'où vient le nom, le tigre ? Pas du tout. Ah, voilà, je vais vous le... Juste, c'est pas pour démolir votre argument. Hein, pas du, tout. Du tout. Mais alors, le tigre, ça se passe en 1906. Pourquoi on l'appelle le tigre ? Le tigre, ça n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale. Le tigre, non, mais l'appellation, le tigre. Hein, voilà, merci. Ça n'a rien à voir. Le tigre, ça se passe, il reçoit, lorsqu'il est ministre de l'Intérieur, il reçoit un préfet. Voilà. Il travaille avec un préfet et Émile Buret, qui est son directeur de cabinet, est à l'extérieur. Voilà. Et il convainc un peu fortement, du moins, il remonte les bretelles, voilà, au préfet qui vient lui parler d'une histoire, voilà. Et quand il sort, donc le préfet sort, bon, pas très content de voilà, et Clemenceau arrive, et il dit non mais vraiment, vraiment, et il commence à raconter l'incident, et à ce moment-là, il y a Émile Buret qui est là et qui dit « Oh là là, on dirait un tigre !» Voilà l'origine. Je terminerai. N'oubliez pas une chose, c'est sa prépondérance au moment des négociations. Il a été premier dans toute argumentation qui consistait à accuser et à démolir l'Empire allemand. Écoutez, je pense que les travaux de mes collègues, effectivement, nuancent, et même déjà Mantoux, qui est quand même le nuance, effectivement, cette approche. En tout cas, on a de belles lectures à faire. On vous encourage en tout cas à aller à l'exposition au Panthéon, puisque vous êtes commissaire de cette exposition. Vous disiez tout à l'heure que Clemenceau était un homme d'art, était un homme de culture. Ah oui, ça. Nous avons, et j'en profite pour vous le dire ce soir, un lieu de culture à Issy-les-Moulineaux qui est le PACI, monsieur le maire, si vous me permettez. Monsieur le maire a proposé au conseil municipal jeudi dernier, voté à l'unanimité, que un de nos lieux de culture, qui est le Palais des Arts et des Congrès d'Issy-les-Moulineaux, se nomme Palais des Congrès Charles Aznavour. Et je souhaite, monsieur le maire, ce soir, vous remercier. Alors, vous allez pouvoir avoir l'occasion de rencontrer Sylvie Brodiac là-haut pour une séance de dédicace. Nous avons notre prochain rendez-vous des entretiens d'ici le 8 novembre sur Renoir et plein d'autres rendez-vous. En tout cas, merci encore pour cette conférence avec passion et vous avez vraiment transmis cela. Merci à vous tous pour votre fidélité et à très bientôt. Pour boire un verre tous ensemble.